À 48 heures du scrutin, Begic Haïdesepsi est toujours en tête des sondages. Pour la dernière fois, le candidat anti-islamiste parle sur une radio nationale. Confiant, le bras de fer s'annonce pourtant serré avec le président sortant, Moncef Marzouki. Alors, il lance un ultime appel à la mobilisation. Il faut que la Tunisie donne l'exemple au monde entier que c'est un pays maintenant qui est sur la voie de la démocratie et que les problèmes ou les différends ne se traitent que dans les urnes. Pour clôturer cette campagne, les candidats s'offrent un dernier bain de foule. Alors que Moncef Marzouki est en banlieue, Begic Haïdesepsi, lui, opte pour l'avenue Bourguiba, en plein cœur de Tunis. Ils sont des milliers venus le soutenir une dernière fois. À quelques mètres de là, les partisans du challenger font la fête sans leur candidat. Pour eux, le président sortant est le seul garant de la révolution. On a profité 3 ans des libertés, on veut que ça continue. On craint que la dictature revienne. Et du coup, d'ailleurs, les discours qu'on a vus, que ce soit sur la télé ou sur les chaînes radio, vont dans ce sens. Tous les ingrédients d'une campagne électorale démocratique ont été respectés, tous, excepté un. Begic Haïdesepsi a refusé de débattre sur un plateau de télévision avec son rival Moncef Marzouki, qu'il qualifie, je cite, d'extrémiste, soutenu par des salafistes djihadistes.